pour jouer au foot, des bains pour discuter, des personnes âgées dehors qui parlent du temps passé, des jeux pour les enfants, un parc et de longs arbres, des bâtiments qui ressemblent à des ruches d'abeilles, des garages qui font peur aux enfants. J'y vais pour jouer avec mes amis, nous sommes un peu comme des frères là-bas. On joue au foot, on discute du collège, des bonnes anecdotes à raconter. On fait les batailles d'eau communes de l'été. Il y a la dame de la cour qui tout le temps veut nettoyer le quartier. Bah, le rendre beau, comme elle dit. Dans les garages noirs, avec mes potes, nous faisions des courses de vélo. Si on roulait sur la bosse qui se trouvait à l'intérieur, nous étions poursuivis par un monstre. Et ça nous faisait tous rire. Et il y a les grands du quartier qui sont toujours là, au même endroit, avec des motos, des voitures, et qui parfois nous donnent quelques sous. Ils sont calés sur un escalier à côté d'un parking. Moi, je l'aime franchement bien, ce quartier. Les quartiers de Miramas s'entassent, la jeunesse, les embrouilles sont intenses, et fausses sont les promesses. Les vieux s'étonnent de la violence, se plaignent d'aujourd'hui avec le peu d'espoir qu'ils laissent, qu'ils voient ce qu'on construit, des cages à poules, où il n'y a pas d'intimité, des caméras avec lesquelles je me sens observée et pas en sécurité. Pourtant, je suis la première à vous défendre, à dire que nous faisons qu'un, alors que je ne suis pas tendre. Ce village, voie large, ce lopin de terre, voyage. Cosmopolite et son bagage, des ponts et des barrages, des ponts et des barrages, des ponts et des barrages, des ponts et des barrages.